Kana bino ya mpona Congo ya lelo efongwami mpona suka ya poso e kasezali mokolo ya yambo ya mois ya novembre mbote na bino pe kimia na mabota na bino petit à petit toujours kende voir vers la fin de cette année 2024 na boye lobby tozaki na assemblée nationale wapi bisika projet de loi des finances exercice 2025 ezalaki présenté pe défendu par le gouvernement soumis Yango et Singeli Boye Bakezala qui déclaré recevable et envoyé na commission ECOFIN pour na koexala examiner d'une manière approfondie pendant 10 jours. Que retenir de ce budget 2025 et Singeli Boye Bake ce budget 2025 présenté en équilibre tant en recettes qu'en dépenses Ezali Bongo Namotango 47 milliards, soit environ 18 milliards de dollars. Ils allaient enregistrer augmentation il y a 21,6% pour un rapport il y a exercice précédent, un budget très ambitieux. Ils allaient connaître accroissement et crédit d'investissement na motango 18,2% par rapport il y a 2024. Renforcement il y a secteur, il y a sécurité. Budget Ezali alloué na motango etali bongo kimia ezali bongo 25,2% yango ezali ko viser ko renforcer bongo armée pe sécurité ya mboka na biso na contexte oyo ya etumba tozali na yango batie bongo soutien na agriculture pe pêche na élevage secteur yango et ko zala na croissement ya 16,4% développement rural crédit Nango ezali na revi à la hausse na 13,7% ko renforce kabon ba initiative ezali kota la ba zone rurale pe bandeko bazala ba fanfan cette fois-ci nyonso ya malamu ekokomi na bino po maman soumino na gouvernement na ye basali déterminé mais nous avons tous suivi les débats nous avons tous suivi bongo ba député national ba député mboka na biso comment est-ce que ba yebaki ko besa bongo maike pe masusu na oezali ko tambola te toke na ngamba justice wap bisika bakuluna bakozala désormais jugé en audience foraine sur toutes les tentes de la République démocratique du Congo pe sima na yango bakotinda bango lolenge esika et longo bani programme ya gouvernement souminwa batante ya population ezali nini est-ce que le 18 milliards eko yeba bango relevé ba défi ya mboka na biso nous en parlons au cours de cette mission, mais aussi la question sur la révision ou le changement de la constitution vu conflit et Zali Komema Nakati ya classe politique. Est-ce important de changer ou de réviser la constitution? Mi tunami balé, maman Yali Kambo, ya mon colonel et l'autre, tous en bande de mi balé, nangamboa le boko nangaya mon balindeko, Edouard mon. Biayi Kabwayi plutôt ndeko Edouard Kabwayi Bolimbisi au cadre il y a eu de pes ndeko mbote pe boye voilà mbote mingi mama Naomi mbote na batele spectateur ya pona Congo mbote na ko débattre nanga je plaide je pense que tozala na débat républicain débat d'idées débat d'études comparatives de gouvernance précédente précédente gouvernance Nabisso et puis peuple Bako s'est retrouvé na argumentaire Nabisso Tokope Sanesikawa au-delà ya Tokota na ba considération te solo pensa lobby na pouvoir les lots d'opposition moko ya baiki FCC azali ko représenter bango sur ce plateau de Jean-Paul Kazamba vous êtes de la famille politique de l'ancien président le président Joseph Kabila de Kombote pe voilà Mbote maman Naomi Mbote na ko débattre na ngai Mbote na ba télé spectateurs bonjour landa biso mais de toutes les façons na ko bossa na te ko lo ba po monitorer pour na ko bela mboka bien que ça question tu poser ngai te na zo ya na moni salité na ville qui c'est bak c'est makasi zo mona pena ke bozane na lifelo salité ti na centre ville alors na mitu na ka
Kinshasa est la capitale, est un siège à l'institution, chef de l'État Azaliawa. Azaliawa, le président de l'Assemblée nationale, n'a pas parlé du peuple, mais il n'y a pas de latin. Mais quand on a gouverneur, on a IDPS. On a que Azaki désigné par maman, on a dit qu'on a un présenté en politique dans le IDPS. Mais quand on a vu l'accès à la commission, c'est une première, madame. À l'époque de Kabila, Kinshasa ezalaki kitoko. Na lobite ke mboka oyo ndenge ezalaka kisasa tofanya na Mobutu, tofanya na Mose, tofanya na Joseph, tolobite ke ezalaki paradis. Mais c'est vrai aussi, il y a un mot qui est une label. Mais kotala na ndenge Kabila tika ki yango kisasa na lelo de kokomona ke bokezina makasi bo soute baksa na lobite ke ezalaki soki ndenge. Mais le côté de la boîte, c'est ma casse. Il y a des collègues. Il y a chaque fois. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'était ma casse. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en comparaison. Et bon, on attend qu'on a vu les gens qui ont été en train de se faire. Nous avons attendu qu'on a vu les gens qui le qui s'est commis salité ma casse. IDPS c'est baby symbol. Mais c'est regrettable, les gens comme moi, Nango, d'être IDPS bazar, c'est une malédiction pour ces pays. Comment vous avez besoin de la carte? C'est une bosa même incapable. Comment la ville avec ça? Et une constitution? Maton Domingue, madame Bokato Lobela. Yango, au cours de cette émission, budget jugé recevable par Ndeko Olanda qui débat, lobby, budget Yango Eza jugé recevable, si ma débat, mon nom est Salema Kina, Baïke Peba Soussou. Est-ce que 18 milliards au Tozui Bongo Eza espoir pour le peuple congolais? En tout cas, merci, Mingi. Mon ami, ça me fait rire. Tant au monde en débonangai, azo banda na ba réaction épidermique. Donc azo linga a kota na ba trop de considération. Mendeko, menga na webi soke, kolongona nga nanda kuti na ndenge na komi na mwandi bo sotote. Non bon? Kitoko, c'est la pète. Kitoko. Kitoko. Maman Naomi. Où tu komini? Ngai na uti bandale na lekivile na koti jebe tinani na komia na mwani boso tote wali gambo wali boso me mama na umi nebite balingaka biso toloba to rappel encore ba pote zanano vrema en tout cas fresh pa ba kongole me n'est-ce pas que na gouvernance na bango il y avait un gouverneur André Kimbuta akoma na libulu manzengele aloba ke mboka ko bongala susute est-ce que to comparer fulu ya André Kimbuta na fulu oyo biso tozana mais c'est grave parce que d'abord bazalaki rata na politique publique mon côté oyo mais André Kimbuta alingaki d'abord assainir ville na biso ville comme qui trop sale que jamais je crois que même les bossois ndako ya ndeko salité za lega ko sanganati mais le lo azolinga akendo ko joa André qui Daniel Mumba qui vient d'arriver qui a posé le diagnostic oui le lo ba matériel ba engin eza na kati ya banzela bali ko talo za lega mabeto bongisa pour que ville est rayonné. Un gouverneur qui n'est pas na bureau, ou est sur les chantiers tous les jours, mais nous qui ndeko ali koloba bilobela mwanza ya keono, mais abosani kimbuta et puis na makambo sur tout monde na mboko. C'est déjà pas normal. Ou na na plateau à télévision, tout ça la tout ça la concurrence ya ba foule. Non, pas la bise. Non, dans un débat nous avons ce que nous appelons une étude. Non non, nous avons ce que nous appelons une étude comparative. Ce qui n'est qu'on a régime na bango Kabila triste mémoire pour na ba congolais malheur de ce pays Kabila à la tête de grands pays comme la RDC na mutu le côté ayé ko sangana na bande koyo bazalaka ka tout simplement autour de lui pour détourner pour tuer et mettre en gouffre ce pays mais tant bazana courage au ba plateau pour na convanter et bilan largement négatif ya chaos en tout cas je ne sais pas ce qui sont ici la bango. Mais le gouvernement, comme ce que vous dites, le gouvernement est yakaté pour se plaindre. Daniel Mumba, combien de mois à la tête de la ville province de Kinshasa,
qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'abord, il doit savoir que quand quelqu'un arrive dans un poste, la première des choses de faire, c'est poser le diagnostic. On appelle ça l'état des lieux. Daniel Mbumba, en venant au gouvernorat de la ville province de Kinshasa, il a posé le diagnostic. Il a fait un état des lieux. Et cet état des lieux a fait que la ville province de Kinshasa élabore un projet. Oya qui est baptisé Kinshasa Sengele Bonga. Maintenant, on a un projet wana, tout côté de la phase de faisabilité, un projet tout le monde qui est bon, on peut attaquer de gauche à droite. Après, il y a maintenant un matériel où il y a un jeu. Je crois que c'est un peu plus de temps. Mais il y a beaucoup de bon côté. Donc, il y a toujours un Daniel Mumba, c'est un terrain. Donc, on est en train maintenant de construire la route secondaire. On est en train d'assainir la ville. Parce que là, qui sait que Bissot a dit bateau. Et bon, peut-être que moi j'avais compris parce que bon, on a un Zamba. Bon, avec les habitudes d'Azamba, Talara, Nazar, propriété de la Raté, c'est ça ce qu'ils ont amené ici à Kinshasa. Mais heureusement que la population congolaise allait à Toutindiki Bango et les choses sont en train d'avancer dans ce pays. Ça, c'est clair et net. Donc, Azan et Loko, le bâtiment contraire. Parce que Bissot, ils ont un chiffre, ils ont une gouvernance. Et bien, les autres, ils ont tous ces gouvernances, c'est un Kabil, ils ont un Bissot et des pêches. Ils ont le col, tout ici, éclipse. Donc, ça, Azan a moussé ma contente. C'est gravissime. On ne peut même pas en parler. Mais s'il faut tout parler, tout le belango parce que tu as pour informer effectivement la réalité, il y a une gouvernance de la Bangona Bissot devant le peuple. On a aussi contredire, il y a bien nos députés, l'obin de Miss Makuta, nous avons parlé mal, l'obin Kinshasa, César Kabasel était, et quoi, il y a tant de gens qui sont là, il faut me saler ça, les maçons. Oh, il y a maman, na bambon, on a Bissot, il y a Balia, il y a projet, il y a sino-congolaise. Eh bien, moi, le bambon, on va détourner plus de 800 quelques millions. Il y a un tronçon moko. Il y a un boulevard triomphal. Il prévoit canine. Ba kanivoni no ligate contenir mai pour être enfin que inondation ça la matin. Parce que tant que vous avez mis sur le moko et que vous avez mis sur la kimoyibi, il n'y a rien de bon que ça. Au moins, plus par. Tant que vous avez mis sur le betara, beaucoup plus, il y a un boulevard triomphal. Il y a un place où on était. Et ce sont ces tronçons yo bango balier bango on a besoin d'un projet au basignac na bas chinois à l'époque na bango je crois vous avez les rapports à IGF. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. C'est là que je vous ai dit que projet yon soya malamu tango baluko élaboré yango. Il y a les études d'abord yako sala. Il y a des préventions de prévenir dans un projet. Voilà pourquoi tu rote na ba phase à faisabilité projet. C'est ainsi que Daniel Mbumba, à mon yango, Ali est en train de prendre ba mesure yon soya singla pour que tout revenir yake. Comment tu ko sala baka niveau, tu ko évacuer ba indengenini pour na ko éviter. Mais et puis quelque chose il faut se retenir. Et ça kaka. Ce sont des comment Bandine y a climatique qui est en train vraiment d'atteindre à peu près tout le monde. Oui, parce que tu as vu même en Espagne, en Valence, hier, pas plus tard que hier, vous avez vu que Bazangi même Bissika Kocha Moutou est embrasé. Mais normalement, dans les politiques publiques, qu'un gouvernement vient parce que Essengeli pour prévenir, c'est ça la gouvernance. Donc, nous sommes en train de prévenir Bamakamouane pour que ça la marche sous terre. Non, loin, il y a qu'on compare un régime, il y a bande de quoi triste mémoire. Malheureusement. Revenons sur le budget. Le budget de l'État. Oui, oui, jugé c'est un exploit. Na plénière, c'est un exploit, maman. Et Zobalana, parce que d'ailleurs, je suis vraiment, je suis très content. Je crois que même matin, les téléspectateurs au Balana Bissot, vous avez relayé effectivement. La réalité, il y a projet à loi finance en 2025 qu'on va présenter hier. Vous comprenez que nous sommes dans une politique, il y a maximisation des recettes pour que d'abord, tu minimises un peu de dépenses qui doit faire que, en tout cas, dans cette prévision budgétaire, où est le lot, madame la première ministre, la distribution, tu dois atteindre 18 milliards de dollars, chose inédite dans ce pays, et tu as le matin, dans le régime à Bandekoyo. Babazaka kena kimoyi bia kuibaka bambongo à l'État, kolia kaka kosalama bengana bango, batika na réserve de change, zéro mbongo tokote lorote, na ba prévision illusionnelle.
Ou bazali ko vendre du vin à peuple congolais au tout 4 milliards. Vous pouvez imaginer. Bato basala 18 ans au pouvoir, mais il vous laisse dans les trésors budgétaires et à l'État au 4 milliards du vin qui n'était pas même une réalité. Mais bango batondi mabenga balie ba yibi ba 15 milliards. Il y a ba dollar recueilli dans ba paradis fiscaux. Mais peuple congolais a tika la souffrir. Les loyaux, une dame à la tête de ce gouvernement, nous avons des prévisions budgétaires allant de 18 milliards de dollars américains. Et je crois que vous avez su hier, comment il a chiffré Nyonso, dans le secteur de vie où tous les gens ont été en train de faire. Vous comprenez que, à quel point il y a même équilibre, où il est présenté dans le budget, en recette, même en dépense. Ça veut dire qu'il y a l'accroissement à Bankedi Obiso Toali Kozwa pour que tout stabilise l'économie Nabiso dans le Lenge Sengeli. Et Zali nous contacte au Bandeko, Nanga Babandoko Sabiso, au cadre macroéconomique maîtrisé, cadre macroéconomique, il y a poche na bango, il y a Mabumu na bango, il y a ma famille na bango. Et rien du tout qui n'a été là-bas. Aujourd'hui, nous sommes dans un réalisme. Parce que la politique exige aux acteurs d'avoir quelque chose de réalisme. Tout ça, c'est un réalisme-là. Le projet, aujourd'hui, on a bien des choses à défendre dans ce sens. C'est comme ça que nous sommes en train d'aller. Jusqu'à atteindre 2028, maman, au commande automatique déjà dans 40 milliards. C'est ça la République démocratique du Congo. Parce que ton nom qui t'a. Budget et matière solo, accroissement, augmentation, et ça, visible. Il y a ma casse, 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 il y a plus de 24 milliards na katiyama, comme il y a ma casse, budget est au matin, kaka mosole est au quota. Mais est-ce que tu as évalué nan odo sa ki hier? Est-ce que ça est moussala pour que l'autre soit encore rebellé pour que ça soit moussala? Mais effectivement, maman, on ne peut pas parler sur l'accroissement si réellement, si, n'a pas projection financière ou budgétaire, qui compense l'équilibre, il y a balance, il y a recette. C'est-à-dire que si on parle cela, alors on veut dire que bon, ce qui hier, armée bandeau Kozoa, 1,5 milliard, une première dans l'histoire de la RDC, qui n'a jamais été faite. Dans le régime, il y a Bande Konanga en face. Alors, et Sengeli maintenant, tout qui se passe, parce que, il y a un et Sengeli, tout qui est renforcé, il y a un secteur public, il y a un secteur na kati ya sécurité, il y a politique sociale, il y a un secteur dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que nous avons d'abord posé dans tout ça, je crois que vous avez vu secteur par secteur, comment le Premier ministre Sakeko défend Angolobi. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une mobilisation des recettes et puis une discipline financière qui est mise sur pied quant à ça. Parce que, ce qui discipline financière est athée, l'économie en Mboka, jamais vous pouvez atteindre de telles prévisions budgétaires en Mboka. Donc, voilà pourquoi que nous sommes de ceux qui sont venus pour servir le peuple. Rien que le peuple. Merci. Yango monaka credo na biso na dépense za la ka le peuple d'abord. Le peuple d'abord, aujourd'hui, ezali chimère était, c'est une réalité et c'est ça ce qui est en train de se faire sentir par cette population. Martin Domingue mona mboka ndeko Jean-Paul Kazamba, vous avez la parole. 49 846 milliards de francs congolais, soit plus de 18 milliards pour Namaï Matali, Bidjen Abisso, augmentation à 21,6%, record Yamaka, si Oezala jamais atteint na, dans le passé. Est-ce que Bidjen Oeza correspond solo na battante la population tant au lundi débat et que tangi quelques fêtés, quelques mokanda au Etali Bongo budget 2025. Merci maman Naomi n'a pas nan en décoqué ma commande de va vraiment et ça Sony comme on appartenait IDPS et ça les plus de 30 ans d'opposition baye ba juif la kisasa ne herba comme gouverneur comme na ebonga ne à partir là bana abani ko ça collaborer programme ne ngi ko tambu sa ville la kisasa. Nous avons un gouverneur, il y a une opposition, on a parti, où il y a une opposition, il faut agir dans ma cantine, il y a une ville qui s'assa, il y a une salle à boire, Mais parce qu'ils sont incompétents, il y a une salle à boire, il y a une salle à boire, il y a un gouverneur maintenant, à côté de faire une bonne année, il y a une salle à boire. Les cambos, il y a une salle à ville qui s'assa, madame, et ça, il y a une salle à lire, il y a une épidémie qui s'assa, ville qui s'assa. Avec légèreté, ça c'est inciter les Quinois. Oh, Quinois, ça a des pieds sur terre, c'est une incite aux Quinois.
Encore nous sommes en état de guerre. Nous sommes en état de guerre. Vous mettez. Moi, je ne peux pas être en état de guerre. De quel il parle? De quoi l'objet a dit Air Baya qui va coûter qui est l'autre côté, va coûter qui va caisse vide à l'état. Mais n'a pas été bon de tourner qui a 100 jours ou un an. Et ça a été bon. Parce que quand je suis en train de me dire que nous sommes en face de l'opposition en Zala. Mais dans la base de l'opposition en Zala, il y a des bangos baillés. Dans la pauvreté. Ndeko, je crois que mboka na biso tokotamu sango na ba na populisme a boité. Na 2024, vous avez un budget, il y a 14 milliards. Quelles sont les retombées dans le peuple congolais? Maman Tonyo Malamu a dit que nan oy bolobaki, qu'est-ce qui a été fait pour toi tous dimake? Maintenant avec les 20 milliards, les 100 milliards, il y aura un changement. Vous criez que vous êtes en télévision avec un budget de 14 mètres. Qu'est-ce que ça a donné comme retombée sur la vie du peuple congolais? Quelles sont les retombées? Mais gratuité enseignement, hein? Les alliés, gratuité. Mais quelle gratuité dont vous parlez aujourd'hui, madame? Batou, vous détruisez l'enseignement. Moi, j'étais enseignant. L'enseignement est détruit dans les Cambouana. Gâtez l'enseignement, les abangotes, ils ont une carte à constitution. Mais bah, ils ont des populismes. Ils ont des populismes. Ils ont des populismes. Parce que quand on parle de gratuité, ça dit qu'il faut là. Que parents à foutre à Minerval, mais on t'a fait qu'enseignants bien payés. Mais nous sommes en face aujourd'hui des enseignants qui sont très mal payés et qui ne veulent pas enseigner, qui sont d'autres en grève parce qu'ils sont très mal payés. Gâter au même c'est enseignement, ce n'est pas une chose même. Oh, il y a un combo. Parce qu'un licencié, par exemple, a 450 $ américains. Pour na oba contribuer à ma frère de parents, on a 450. Il paye une maison à 200 $. Il a dit que gratuité, il y a. Il y a une contribution des parents de ces longues à combien de 250 $. Il y a maintenant le gouvernement, il faut tirer 100 $. Aux autres, il y a gâté. En ce moment, 250 de 450 comme il percevait avant. Est-ce que ça va être ça? Ou bien ça sera un enseignant qui sera à la merci et à la corruption avec l'élève. La gratuité a détruit d'une façon que vous pouvez imaginer, madame, enseignant Mboko Nabisso, qu'on ne peut même pas en parler. Bidier Nabisso, ça c'est, et ce sont des slogans créés. On parle de la croissance économique lorsqu'il y a stabilité monétaire. Bato bakuta ki dollar na combien, ils en a combien? Bakuta ki dollar na 16 dollars, ils en a 28, 29, ils ont qu'il y en a 30. Alors de quelle croissance doit il parle? Parce que la croissance, on doit juger ça sur le plan de la stabilité d'abord monétaire. Mais depuis 3 mois, tout ça n'a pas stabilité. Mais de quel 3 mois vous parlez, madame? Ils ont fait 6 ans pour vous parler de 3 mois. Mais 3 mois là, pourquoi il y a stabilité? Il y a 3 mois, il y a président pour Nani. C'est parce que les enseignants ne sont pas payés. Parce que plus les enseignants ne sont pas payés. Et ça, qui va se foutre à battre, moi, moyen, mais ça, qui va se foutre à battre, il y a une stabilité. On parle de stabilité, ils vont se foutre à battre, mais bon, ceux qui vont se bloquer. Vous avez des dépenses, vous avez des foutre dans le secteur enseignement. Vous ne donnez pas aux enseignants. Vous ne payez pas les magistrats. Vous ne payez pas les soldats. Alors, il y a une stabilité monétaire. Te reconnaître quand même exploit et salami, il y a un budget de 5 milliards après les lotos au marché vers 18 milliards. Madame Naomi, madame. Est-ce que les exploits ont été félicités? Est-ce que vraiment, dans le monde, il y a deux pieds sur terre, le régime a un exploit dans le monde? Vraiment. Qu'il dépasse les gens dans le monde, ça c'est la cible qui sont au pouvoir. Quand on a déconné, c'est comme si on avait eu le pouvoir il y a de cela 6 mois. Il y a un bon contenu qui est aussi, peut-être pour Bazaï dans Zamba, il y a un bon contenu qui est aussi, 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 nous avons été acquis ici, on a dit, un bon contenu qui est aussi. Si on a dit, on a eu un bon contenu qui est aussi, ce sont des insultes au peuple congolais. Parlons des attentes du peuple par rapport à ces budgets, ni une tour retenir. Madame, il n'y a rien à retenir que Toyoka Toyoki qui est Ndeko Bemba dans le secteur Naye a consommé 60 avions. Alors que Ndeko Tseke déjà a 5 avions, il y a 100 mité.
Baiba ko soma 60 avions na bidie oyo. Tota to mona yango parce que pendant les 5 ans, c'est toujours que des beaux discours. Mais sur les plans, il y a terrain. Parce que bango, il y a lobby qui est beaucoup de tout qui ont coupé. Ils ont coupé, tu as vu que tu es capable de tirer mon paradis. Mais quand même, il y a beaucoup de Congo, Congo Airways, ils ont qui avec des avions. L'on dit que RDC, tous les avions, il y a transport, ils ont été. Bah, je veux dire, que nous avons fait, il faut que louer avion en Éthiopie. RDC, tu sais que tu pouvoir, ça fait 6 ans, incapable, on s'en à ta avion, moko. Mais alors qu'il y a des millions qui sont détournés chaque jour. Et on se dit qu'en passant, des détournements, bon, quand on parle de détournement, quand on a une idée de détournement dans le régime, et ça, sport, dans le soin, maintenant, tu as pris un lobby. Pourquoi, qui ça, Jean-Marc Aboun est en prison? N'est-ce pas pour avoir dénoncé des détournements, chaque jour qui passe? Et puis, des détournements, ça, la mawana, nous, dans le monde, nous consommons, il y a des bêtes à battre, mais beaucoup. Alors qu'il y a des agissants, ça, mais il applaudit ces gens-là. Pour dire que c'est le meilleur ministre des Finances que la RDC n'a jamais connu. Alors qu'Alingué, toi, tu as dit, inspecteur général de la Finance, à ce moment-là, aux finances, ministre des Finances, il y a eu des tournements. Il y a eu une surfacturation. Il y a eu forage d'eau. Forage d'eau qui ne coûtait jamais 290 000 dollars par unité. Mais un ministre qui présente forage d'eau n'a des alliés place de 20 000 dollars. Il y a eu une surfacturation, il y a 11 000 dollars américains. Ça, c'est Alingué qui dit ça. Mais tout le monde dit que la télévision a banni que le ministre n'a pas beaucoup. De quel développement dont vous parlez, monsieur? De quelle croissance économique, monsieur? Moi, je crois, moi, je pense, je suis en train même de marteler que l'IDP est une malédiction pour ces pays. Parce que vous avez déçu ce peuple, et sur tous les plans. Très bien. On ne peut pas vous croire, parce qu'à 14 000 dans 2020, qu'est-ce qu'il y a eu sur le terrain? Pour vous? Les militaires ne sont pas payés des détournements en cascade. Il y a des caniveaux dans la question, ce caniveau est sanguiné. C'est un problème de kirage. Bah, quand vous avez des problèmes de kirage, vous avez comparé, vu la violence d'Espagne, n'a qui ça. Bah, l'inondation, elles sont en avance, elles allaient par rapport, il y a climat. Il y a bus, elles ont pour le climat, elles ont des beaux chantos. Les caniveaux ne sont pas tirés. Très bien. Mais attendez, je vais vous donner un peu sur cette question. Ndeko Edouard, vous allez vous faire un peu de paix, vous allez vous faire un peu de pouvoir. Vous avez un mandat où il y a campagne électorale et même le programme du gouvernement, il était prévu. Vous avez la création de 6,4 millions d'emplois pour ces 5 ans. Et hier, Maman Soumi, dans le programme, dans le budget 2025, quand tu as au moins 1 million d'emplois pour 2025. Mon tournoi est allé à 6,4 millions qui sur le plan quinquennal. En 2024, pour créer combien d'emplois et dans le domaine précis. Merci maman avant na mutuna yo tikana recadre ndeko donc to yaka na télévision pour te passer information madame. Je crois à comprendre que l'UDP sont venus pour servir le peuple. Il a reconnu que par rapport ya Bosoto to che même ba génie militaire pour na ko sale propriété ya vie na lolenge sengeli. Ce qui n'était pas fait dans leur temps. C'est-à-dire qu'il a les avancées. Dédé, à l'objet, tango bango batika ki 1 milliard. Bon, si quoi yo, nana uchawo le ban à l'objet 18 ans pour voir batika 1 milliard. Qui sont des voleurs patentés, des détourneurs, il y a fonds publics, il y a mboka. 18 ans égale à 1 milliard. D'abord, les prévisions budgétaires. Donc, vous comprenez que effectivement, les rapports aux gens qui ont le zoo le Bambi, et c'est là qui est vrai. Mais on le dit, non, tout cela qui a pris des trois décennies dans quatre, il y a opposition, bon, tant que tu y es, tu es un bon autolate. D'accord. Dans le cas de Bissayo, nous avons rapporté un message, nous n'avons pas la première dame honoraire, il y a que, tant que nous avons besoin de Zamba, yabaye wabora, bozana na ngambu wana ya Rwanda. Biso koto to lata kitoko. Toko mna wankamba wolata ndi. Me kasi alobi angote, alobi ke tango toye, tozwi kanya kwa na tomyo lata bavesi. Kasi aparafaze, premier dama na bangu.
Kasi ango nenga nazo pe saye réponse ya ba kendo kwa kabola na premier dama na bango. Ya ketango bango ba na zamba. Eh, parce que na zamba, okola ta veste wapi. Bango ba ye tomo na bango, ce sont les venants. Pa ye, docteur ye bi madusu ya ba zambo kabila na bango ba ya. Bako tabiso na ville ya Kinshasa. Nga na zaiki na beni mama na omi. Bana bene balaki singati na lidusio kabila lungo na Rwanda koti na mboka na biso. Ce sont des venants. Tomona bango ndenge bakota le 17 mai 1987 ba memi ba munition na moto ba bota en caoutchouc bilamba ko pasu. Est-ce que baye baka kilité na kolata ba veste wapi? O ba veste balata kango na ville. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que biso donc avant bango baye kola, non le parce que nga na yebi muto abanda ki kolati sa. Bango, je connais nos Francis Kalombo et là je lui salue en passant. De rien de mouton à qui ça bango n'enga ko kanga buto à chimie. Mais à cette époque là, biso tu suis tola te kitoko, te vivre kitoko, tu dois ça l'opposition ya malonga pour na intérêt général ya moka et non pour na mabumu na biso. C'est ça ce qu'il faut arrêter. Il dépêche à l'opposition avec le moyen. Des trois. Ah bon. Des trois. Des trois. Ndego azo loba, li kamwa de tournema. Maman. Mais vous savez, on était qu'un des oiseaux pèse à Bakongole Kande. À des fois, tu vois, si ça va récupérer pas Bakongole, pas Zanazela. Tu le vois vraiment détournement. Les lois, on est quoi comme il le vois détournement parce que nous sommes toujours dénoncés. C'est nous-mêmes qui dénonçons, nous-mêmes nous sommes les inspecteurs généraux des finances. Nous sommes toujours dénoncés. Est-ce que dans votre époque, qui dénonçait Atala Bakongomani, Namikuro Nayo, Aïb Sabango, 18 ans au pouvoir, ba interpella même un huissier wapi na justice nini qui de nos personnes ne dénonce c'était un gouvernement de malfrats donc akandenge de Moussa Laurent Lobaki conglomérat ya ba ventrier ba sanganaka pour pas que détruire seulement mboka parce que ce qu'on a na ba interview ya Laurent Moussa Lobaki nini alobaki ba Rwanda wo ba yakana bango na ba Uganda tango ba ye ba kuti réellement jimiel na Congo ba nga ba tike suboka na biso tete mene ya moins la mémoire collective ya ba kongomani ba ebiete luzolo bambi professeur témoin vivant vous nous avez détourné 15 milliards de dollars américains tout était privatisé à une seule famille famille Kabila na bango c'est connu ils ont privilégié privatiser l'importation au détriment même de la production en Boka. Une fois au pouvoir, qui fait, qu'a fait l'île de peste. Mais, maman, ce sont des choses où il y a, et c'est d'abord tout balayé. Pourquoi ça va? Et puis, Congo, on peut pas ça à côté. Vous en prenez. Vous en prenez 7 ans, il dépense au pouvoir. Tu as été à Kabila, Salaki, Kabila, Salaki. Mais, d'abord, dans 7 ans, tu salis. Ce qui devrait être fait même pendant 18 ans avant. Nazo rappelé ndeko. Mouze Laurent Kabila, tango ba yeko assassiné ye, a te ka taux d'échange à dollars na 970 000. 970 000, tu peux aller interroger les économistes. Tango Kabila zo lunga na pouvoir, a te ki dollar na 1700 quelques de francs congolais. Exploit ou bien recul. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à ce que vous dites là, quand le cadre macroéconomique est maîtrisé, même les taux d'échange ou d'inflation, ils sont sous contrôle et à l'État, ils sont bien maîtrisés. Et au moment où nous parlons, Nathan Nabango, il n'y avait pas une crise économique mondiale, mais nous sommes pendant une crise économique mondiale partout dans le monde. En face de Nabiso Brazzaville, 100 dollars est égal à 67 000 francs CFA. Angola proche de nous, 100 dollars était égal à 100 000 kwanzas. Je venais en Europe, précisément en France. J'ai trouvé les Français, ba manifesté, ba tel baral bol à cause de la vie chère, oui, mon isami. 100 euros na France, maman nanga, et komi loko la mbongo ya biscuit. Donc ça veut dire que, comparer gouvernance na bino, na y de peste, il faut avoir honte sur vos yeux. Et puis, vous, en tout cas, vous allez vous cracher sur la mémoire. Il y a un Congomani, Oyo, Bomi Bangona Nzala. Mais c'est dans ces pays, avec ces régimes de triste mémoire, Oyo, il y a un Congomani, Babanda Golia, par de l'estage, non, maman? C'est-à-dire que ceux qui ont lié l'objet, ils sont tous les lobbies. Mais d'abord, tu peux sur le pouvoir d'achat. Ton quota qu'enseignant a combien? Et le lobby a combien? Le lobby n'a pas de plateau, mais de télévision.
Avant les 30 de chaque mois, les salaires repayés. Prouesse, il y a moi na mboka doudou fwamba oyo lelo ba kongomani bali na balar na bakanyaka na bango bali ko vie na lolenge sing. Revenons sur la question. Mais maintenant, pour to effectivement maman, ozolo belika mbo emploi. Effectivement, mais bolandi eloko oyo premier ministre alobi. Tango biso toye to kuti taux de chômage 0,0%. Taux de chômage. Et aujourd'hui sur 4000 quelques emplois. Oui, qui chiffre, mais c'est le mille quelques. C'est-à-dire que nous allons graduellement, parce que c'est tout un processus. Maman Naomi, laissez-moi dire à mes téléspectateurs, même na bambo koyo kaka, les pays développés, les pays les plus avancés là, okoku ta ba chômeur bali. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, mais tout par rapport à la création d'emplois. Voilà, c'est là que je suis en train de vous répondre. 4 millions d'emplois dans 5 ans. C'est ça, effectivement. Vous avez dit que vous avez 1 million d'emplois dans 2025. Le budget est au pessimiste. Nous avons tout dans la gai. 2024, vous avez aussi la bosse. Combien d'emplois? Mais si vous avez un peu de monde, vous avez un peu de monde. Oui, on a tout pour nous expliquer par le peuple. Okay. Parce que c'est sur l'emploi que nous parlons. S'il y a déjà 1000 quelques d'emplois créés, c'est que le gouvernement n'a pas de politique publique. Dans quel domaine? Mais nous avons vraiment plusieurs secteurs dans le cannabis. Il faut comprendre que le Congo est à la dimension continentale. C'est-à-dire que dans tous les secteurs de la vie publique, c'est des priorités, des priorités. Et c'est la priorité, mon côté, où ils ont maintenant, quand on crée Bamisalawana, beaucoup plus maintenant, parce que je crois que vous êtes en train de voir que tu as lancé la campagne agricole pour l'année 2025, Mobimba. Et je crois que mon équipe est fort. Parce qu'au moment où nous parlons, tant que tu as dit que le sol va prendre la revanche sur le sous-sol, mais c'est par rapport à l'agriculture. Et l'agriculture, il y a une capacité, il y a autosuffisance alimentaire. Alors maintenant, pour toi arriver à Biloko, on est singuli tout ça, il faut produire. Et ça, c'est que Bambon, on a vu ça, il y a Bukangalonzo, il y a Détournaki, et pas il y a Mouto, il y a Outo, cité Matata Mpogno. Oh, Yotozo, c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui, procès à flagrance, c'est Hollande. Et d'ailleurs, je suis très content parce que l'inspecteur général, le chef de service de l'Engete, a répondu à l'obi, dans le rapport où je fais ça, Nango. Tango basali contrôle yabami solo et yibami. C'est 208 millions d'actifs yamata tamponyo. Ça veut dire que bango baya kande po ba bomba ba congolais nazala. Si Bukangalonzo était productif aujourd'hui là, c'est-à-dire que tomato bisou makambo nzala te. Mais vous avez vu les efforts mo konzambo ka enango. Alors, to bandi d'abord ya ko réactiver service national. Oui, le lot, tant que nous avons dit que nous avons lobby, nous atteignons des prévisions budgétaires, il y a plus de 10 000 tonnes, etc. Et tout ça, sur la campagne agricole. Voilà, l'emploi est solo. Oui, bah, créer un canabambo quand nous allons développer. C'est d'abord l'agriculture, maman. Merci beaucoup. Quand vous êtes avancé dans la agriculture, mboka et autres abilos qu'on connaît et belé, au commune, il y aura d'autres privilèges au quotidien de Bino pour que vous avancez. Et l'eau, où est-ce que vous allez au salamate, moi, malheureusement, Nabiso Kabila la tête. Très bien, Maton Domingue. Face au conflit qui suscite, doit-on changer, oui ou non, la constitution? Tozoa, si j'ai mis Balé Poto Chlore et Monsieur Amonko Nalelo, il faut dire que la première ministre a déposé Bidjenaye et ça qui discutait lobby na parlement plénière a jugé ango recevable autoriser la application na ango na mbula oyo et ça dit que et tozoli qui a que mansoma komami ko sunga pour na développement et ko salema ndenge mais tozali wana pour na kolandela certainement pour na koyeba nini salemi nini et salemité constitution de ko Jean-Paul Kazambo hier. Le FCC a l'ingaki a simba constitution. Aujourd'hui, na Bozali, na opposition, vous dites que non, que Félix Tshisekedi a simba te. Face à ces conflits, où ils ont kende de part et d'autre, on a classe politique. Doit-on changer la constitution? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Merci, maman Naomi. Na kouzonga mou mouké na ma kamonde, kwa wouti kwa lobawa.
omoni mboka batamusakango net ndenge bande ko bazotambusa te ko lobana ye boye soko tali ba intervention c'est comme si tu sais comme président république na 2024 otias azap président depuis 2019 il a fait 5 ans au pouvoir ozo ke ne 7e année na za bokonji François Macron est rajouté beaucoup dans le deuxième mandat. Na avant Banago, il va dans le deuxième mandat. Alors, il va se dans le premier mandat. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Abi, j'ai créé au moins 300 usines. 2 millions d'emplois. Donc, c'est quelqu'un qui parle avec des précisions. Abi, il a créé 300 usines sous mandat d'Angaï. Il a créé 2 millions d'emplois. Ça veut dire quand on parle d'emploi, des millions avec les 300 usines, les gens peuvent avoir d'emploi. Mais il y a ce que combien d'usines on va créer depuis Bazana pour répondre. Si j'ai maintenant au pouvoir, usine à Salika Moko, ou à Baji à Pepsi. Ou Baji à Simanda, ou des usines à Bassali. RDC, là, comme Maka, c'est là, comme Bassali, Bicho. Tu sais, au pouvoir 5 ans, et des usines à Baji. Usine à Baji, on peut engager combien de personnes? Na usine moko bakuta ko ça dernièrement yawa inauguration yaba kirdan. C'est ce que j'ai fait. Quel genre d'usine encore il a créé pour basse la vie sur l'emploi qu'ils ont créé. Il y a pas d'emploi. Donc j'espère que madame Toza en face yaba tumoko qui ne soit que pour des discours créés. Pour erreur ils ont dit que nabino bino biso Toza dénoncer bino bano dénoncer mais sont que dans Makal okuta qui sont des gens qui ont parlé qui ont dénoncé qui sont à Makal. Mais ceux qui détournent combien sont à Makal? Sur so, okay, Makala wana, combien de gens qui ont détourné sont en Makala? Personne. Les gens qui parlent. Mais dans Makala, combien ils sont en Makala? Il n'y a personne parce qu'ils ont l'association des voleurs. Les combats de détournement, il y a Mboka, oh madame, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais dans Bango, ils ont monnaie courante. Et puis les gens ne sont pas inquiétés pour ça. Les gens qui sont inquiétés ou qui sont tirés à longueur de journée comme des bêtes, ils ont trouvé sur la télévision. Des adversaires politiques qui sont tués, qui sont arrêtés. Quand on voit que le peuple, combien il y a dans la Bible, il y a une fois par jour. Dans la Bible, il y a combien de fois par jour? Depuis qu'il est dépêché au pouvoir, le peuple, combien il y a combien de fois par jour? Mais ça, c'est quoi ça, monsieur? Pourquoi vous voulez vous moquer de ce peuple? Constitution, je pense que les assauts, d'abord, pour un peu, au moins, nous sommes en face d'un pouvoir acquisateur. Ce que dire à ceux qui ont congé en 2019, ils ont conscience que les gens ont prêté à serment sur Yango. Dans un pays normal, ils ont interpellé pour pargir. Il a prêté serment dans la Constitution, ils ont protégé la Constitution dans le mandat. Donc pendant les 5 années qu'il a fait au pouvoir, ils ont prêté. Ils ont prêté sur le deuxième mandat, il y a une prestation de serment dans le deuxième mandat, la Constitution est prêté. Avant, ils ont commencé à sous le régime, la Constitution est prêté. Mais je me demandais, est-ce que nous sommes en face d'un président de la République ou d'un militant ou d'un dirigeant politique? On pouvait encore comprendre que Bouya Lobande, mais pas lui, président de la République, chef de l'État. Azo Lobabi, il faut changer la constitution, parce que la révision est conscience, parce que la constitution est moko, et la qui rédigée par l'étranger, tout ça. Alors que madame Toyebi, qui est Fandi, n'a pas conjoint pour la constitution. L'égalité n'a yé, et aux autres en a conscience. Mais attends, vous savez qu'ils sont étrangers. Au prétexte, c'est vraiment ce qu'ils ont. Même pour la révision. Et par deux fois. Même pour la révision. Non, tant qu'il n'a pas de principe. Parce que, n'a yé bité, bande koyo, et ba bête à toi, na TV, et puis ça n'a pas. En plus, basa batumoko na premier mandat, basa iguana. Ceux qui basa repéta batumoko mitu et salaka, ils étaient déjà normaux. Balinga basa net François Hollande. De toute façon, là, dans ce premier mandat, bino, deuxième mandat, bino, peuple français, on a la qui bino, on a salité, moi, on a ça, deuxième mandat, exacté. C'est avec ces gens ici, ils ont promis beaucoup de choses, qui n'ont rien fait, aucune chose. Combien de postes qu'ils ont fait et qui n'ont rien foutu. Balaka bis, balaka peut congolais trois fois par jour, balaka bis, bateau, avion, rien n'a été foutu. Donc, bah, il faut pas ça coûte des militaires comme ça, deuxième mandat. Mais Herbaya, c'est comme si, bah, une de vos conseillers, c'est un comme ça, on va bosser. Ne quand même par principe, quand on entend que le chef de l'État, il y a un fan du Wana pour la conscience, ou bien un conscience étranger, rédigé par l'étranger, il faut pas modifier. Mais il y a un peu de étranger, il y a moins d'ambok. Pourquoi prétendre que c'est vraiment sérieux? Peut-être par deux fois. Mais aux autres étrangers, parce que vous voyez que le Congo, bah, là,
Tonini, parce que je ne sais pas, madame. Le loyo Kabila, a fini ma qui m'a na banza, na mboka na biso, dans la malchance, on a eu des pèses dans le pouvoir. On a eu des pèses dans le pouvoir. Revenons sur le principe. La constitution est pékisi révision de Angotote, alors que et prévoir d'ailleurs révision de Madame, au moins une constitution. Constitution de pourquoi ne pas toucher? Pas si d'abord Ezali. C'est ça la question. Pas si d'abord Ezali, d'abord tout ça, c'est une distraction pour Nalelo. Que le peuple congolais n'a pas besoin de telles distractions. Bah des bayaboye. Tu dois définir si le peuple est d'accord ou pas. Tous sur la madame. Tu vas me supporter comme moqué. Le peuple congolais a besoin de mon abattu. Si nous avons un peuple, nous avons vivre dans l'époque. Mais quel est le rapport entre la constitution et la constitution? Non, parce qu'il y a des combien en vogue, non? Il y a des combien en vogue. Parce que l'autre pays normand, dans le cadre de l'Assemblée nationale, il y a des ministres qui sont en train de défiler. Net, par exemple, il y a défense, il y a interpellé. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le territoire, chaque jour, il y a quoi chaque jour? Mais qu'est-ce que toi, ministre de défense, vous avez mis comme la constitution? La constitution, madame, n'a rien à foutre avec leur incompétence. Quand la constitution est en train d'abord que la constitution est dirigée par l'étranger, c'est faux, archi faux. Ce qui est vrai, pourquoi tu as prêté ce serment à Yango? Cette constitution a été rédigée dans Kisangani. Avec des prophètes congolais qui sont vivants. Auguste Mampouya, Esambo, Okochonda, Kabuya Lumuna. Mais il y a aussi des étrangers, des experts. Bilo Kouana, c'est-à-dire que yo attend que chef d'État. Si vous ne pouvez même pas dire ça. Parce que yo za mokonzia mboka. Au fandi wana, yo za konzia, c'est-à-dire que fandi si yo. Kaka posa yide pes, mitou et salakate. Ok, le baké, construire des âmes étrangères, n'a pas qu'à bouillir le baké à moi. Kabouya n'a le baké à moi. Mais pourquoi, Bignon, attend, vous avez qui n'a beaucoup dit Bouandé, Kokansako Simba, y'a a-t-il pas de éléments où ils allaient, y'a ma belle, c'est une colonne, madame, madame. N'a donné à Totika en affront, Totika la tête Kabila. Merci, madame. N'a Totika en affront, madame, y'a confiance. Si Bilokoana, Bilokoana, y'a un autre nangake. Qui est que vous dites que nous avons dit 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 Koyo kaka buya. Azo lo bakefu ba grejie konsyona paske na kacha konsyona ba pesi bo konsyona pesi chef de l'etat manda na ya 5 ans e zali buke po asala musala. Ta la nivou a raisonnement. Nzo kanden de kokotan va peyne et vetaj na Amerika manda chef de l'etat e zaya ya 4 ans. Na 4 ans pe ako sala musala na ye. Avec 5 ans d'etat. Tozan ba defi mon kote na ye. Non, de quel genre de... Non, madame. Oebi ke, so koke na France le doy abi a wutukuna. Même les Français, là, bah, ça, quand ils aspiraient toujours à vivre mort à malam. Chaque jour qui passe, ils disent, bah, un jour, ils disent, 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 ils ont des défis aussi à relever. Mais les gens commencent à comprendre, si, par exemple, au PSD, ils ont 7 ans à pouvoir. Et que tient ont ça incompétent, net bango boy. Vous pensez que c'est de fois pour que nous avons des législateurs de l'Imissa pour y a joie qui m'a rapport. N'a pas de l'Ikamboa, il y a fonte pour ma constitution. Selon moi, législateur a tiré un mandat moins réduit. Na France, c'est 7 ans pour la cala, mais on a 5 ans. Na l'État, c'est 4 ans. Et ça n'est pas pour éviter le dérapage, mon sou. Parce que malamo, tiens, écoute, mon tiens, malamo, mais à humanité, que au tiens, zoba, à quel moment ça a 7 ans pour constitution. Bah, tiens, on ne peut pas m'battre. Le monde a un spectacle qui a des pèses pendant les 5 ans au pouvoir. Ce qui est par exemple, ils ont un mandat, ils ont 7 ans ou 8 ans. Donc, vous êtes incompétent, vous êtes obligé de vous aider pendant 8 ans. Si vous avez un peu de temps, c'est pour protéger les souverains primaires. Vous avez un peu de temps, 5 ans, vous avez un peu de 4 ans. 4 ans, vous avez un peu de temps. 4 ans, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. À réduire, à tirer ma mandat, on est là pour prévenir. Qu'est-ce que nous avons dit, les motomayés, à t'as sali 4 ans, à sali malam, pour mes athées. Mais ce que tu es zoba dans 7 ans, bon, ok, n'est-ce pas, il y a un moment, comment je fais ça. Mais sur le plan du droit, d'abord, ils allaient qu'on se justifie, t'es.
Parce que visa conditions, puisque quand il y a un bébé, il y a une condition, on va se faire avec l'étranger, et l'objet qui est pour la prévision condition, jamais qu'on est en état de siège, jamais qu'on est en état de guerre. L'homme qui a dit que vous êtes en train de diviser plusieurs des territoires, Bango, il se contente, là, ou Bazo, il va à côté, il dépêche, Bazo, il a besoin de l'STT, il n'y a pas ça. Parce que moi, on a besoin de connaître un ami qui est les défis que nous avons, nous avons besoin de révolutionnaires et non des juifs comme eux. Très bien, merci beaucoup. Nous avons besoin de l'Iabam, de l'Abatonda. Qui de l'Iabazawana, de Kabouya, de Bemba, de Kamer, de Tisegué, nous avons besoin de l'Est. Très bien, maintenant. Nous avons besoin de réviser les conditions. C'est-à-dire, on engage que les partis qui sont et les partis qui sont sous contrôle. Merci beaucoup. Et puis, ce que nous disons, sur base de quel article? Parce qu'il y a un article qui interdit la révision constitutionnelle. Pendant l'état de guerre. Mais tu es dans un état de guerre, oui ou non? Si tu es dans un état de guerre, tu peux aussi confier au nom des raisons. Très bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous sommes sous le bord de l'ennemi, que nous sommes dans un état de guerre. Merci beaucoup. Et je vous reviens. Toyo qui les sous ma lobby de Kounassi Savana, qui est basé au Kolobake, conscient, on a un exemple article, il ne faut pas réviser. Il parle d'article 217. Ma lobby article 217, on a un exemple qui est belligérant, il y a un exemple qui est le maire, il y a le maire de Batiango. Et ça, quoi, il y a beaucoup d'histoire, il y a beaucoup d'anabisho. Article 217, madame, ça fait partie de la tradition constitutionnelle, il y a beaucoup d'anabisho. Ça a commencé avec Mobutu, avec Tshisekedi, avec Eliaou. Tshisekedi, le père. Sauf que dans la constitution, il y a 67, au moins article 69, c'est le même article qu'on a repris dans la constitution d'anabisho. 217. Sauf que dans l'acte d'attention, c'est le même article où on va reprendre dans 217. Et puis, ce sont des articles où ils ont pris dans le pays Nyonso. Il y a l'Afrique. Même il y a même dans France, même dans la Belgique. Mais pourquoi on appelle espace Schengen, par exemple? Très bien. Le mot en France, il y a plus qu'en Espagne. On compte librement, n'est aucun marché parce que on a un espace Schengen. Ça dit que là, la France ou l'Espagne perd une partie de sa souveraineté. Donc, ce n'est pas un nouveau venu, un article nouveau venu. Moi, je pense que dans tout ça, c'est que ces gens ici cherchent. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit. C'est-à-dire que. Mais le peuple congolais, vous trouvez le peuple en votre chemin. Mais qui coup d'état constitutionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeko Edouard. Vous êtes de l'UDPS. Vous avez même lancé campagne. Tout le monde qui a permis Ndeko Kabouya de lancer campagne à sensibilisation pour le changement de la constitution. Le lot Oyo. Ba réalité nini oyo bino bozali ko trou oyo bozali ko mona keza ko trouver ba réponse na yango te na kata constitution oyo tozan yango oyo esengeli nécessairement ko bakisa to ko longola pour que mboka na biso etambola malamu. Déjà à quoi sert notre constitution eza wana pona nini soki esengeli to bakisa ba réalité mosusu pe to longa ba réalité et kozala ba réalité nini marbo mboka yo manami na lingo pe sanga pe minute belen ndenge de kwazui donc Azuminite bele ko le kanga lo bimingi. Bon, ngape na ko rencontrer ye peuple sanga pe minute nanga. Vous savez, un parti politique tango elle ko se créer adhésion nango na population ezaka par rapport à un projet de société. Oyo bali na yango. Mais je crois les conglomérats d'aventuriers ou des aventuriers oyo y a peu perdu, il n'y avait aucun projet. Mais, biso projet na biso société, et tangami na kombo, il y a le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Na solo ba pona ndeko a yoka, et puis ba kongomani balanda biso. À la prise de pouvoir, 100 jours, il y a bokoti, il y a mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir, tozui d'abord volet infrastructure. Le lot sur volé wana, tu sali quand même ba saut de mouton na kati ya Kinshasa pour na ko soulager tant soit paix ba usager ya route. Tu sali zela, banzela. Mais pour na illustration seulement, ya yebi national numéro 1 Kinshasa, Idiofa, Kasai province, Kasai centrale, Kasai oriental, ezo kota Sankuru, ezo komete na Nord Kivu. Ezo ki na programme ya 100 jours. Banzela. Parce que tokota kinzela ta mokote mama nomi. De deux. Tokote na secteur éducatif.
bana ba kongomani musala ya ko kobeta mitendo kobeta ndembo bango nyoso libanda ndako or investissement ya solo ya mboka ezaka capital imena ye et UDOPES avec notre projet de société le peuple d'abord. Nous avons renvoyé sur le système scolaire plus de 5 millions d'enfants. Les lots bazo tanga ABCD. Les lots kotika lokuta mwana kongomani mokote lususu libanda po abeta mitendo abeta ndembo. Bango balaki na bambongo na bango babando tangisa bana na bango na ba collège. Mais les lots dépassent tango du pouvoir à récupérer l'article ya fameuse constitution oyo 43 to tchango en application bana batanga kimia. De trois, il dépense à moni basi ya bakongomani. Denge bali kokemba pona kobota. O bakangi bango pona mbongo. O bakangi bango pona boe. Toke ko décrété gratuité ya maternité. Basi ya bakongomani bali kobota pamba. Na programme ya PEDL 145 territoire. Développement à la base. Nga na tambola na Nord Kivu. Nga. Natamu na Noru Kivu, na Sali Babeni Butembo, nani Bunya, Tikuna. Na programme wana mama nomi, nous avons importé 300 ponts yasika. Ya nouvelle technologie. Oyo batie na ba province mususu, oyo mususu tozo zela pona koya na yango. Ça c'est l'UDPS. Dans ce programme de paix de L145 territoire, maman Nomi, pour encadrer le système d'éducation, il y a plus de 1200 écoles construites sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans ce programme de paix de L145 territoire, dans ce programme de paix de L145 territoire, dans chaque territoire, vous trouverez un centre érigé. Et vous trouverez une école érigée et banzela oyo basi ba ramblé mususu bali ko asphalté déjà je crois yo za mo panje sango investigation ozo mona ba explosion salma na babunya we salma na bagoma par rapport ya banzela ça c'est l'idée de peuple, le peuple d'abord. Le peuple d'abord a coûté 1 milliard de prévisions budgétaires. Aujourd'hui, 6 ans après, nous avons une prévision budgétaire à 18,8%. Je parle des choses qui sont réelles et réalistes. Dans les projets de la société, il y a IDPS. IDPS a coûté armée infiltrée, brassage, mixage, Rwando, Rwandais, Ougandais, etc. Le loyo IDPS a sali appel à tout digne fils de ce pays pour rejoindre l'Allemagne. Aujourd'hui, même effectif, le loyo, talaka que seulement sur les tenues vestimentaires. Il y a des soldats qui comprennent que les soldats américains ont conseillé les soldats congolais. Et notre armée monte en puissance. Aujourd'hui, jour pour jour, deux ans, qui n'est pas marche de santé, le rôle de Bango, ce qui est RCD, à l'Ungwe Rwanda, Mbalamoko pa à côté Kinshasa. Afde la l'Ungwe Kaka Naba, Naba Zambe et Wabora, Mbalamoko à côté Kinshasa. Jour pour jour, deux ans. Badongolomiso, la communauté internationale, où il y a sous-traité par les Rwanda, n'a pas supplété FM 23. Maman, contenu par notre armée. Au PC parole. Aïe Bissangaï, territoire Nino 23 Bazu. Territoire Mogote, Zomé pas 23. Vous confondez les territoires et les localités? Vous confondez les localités et les villages? Aucun territoire est sous l'emprise de M23. Ce sont des villages. Et des cas isolés parce que les Français, les Américains, les Nani, les Bandongo, le mis sur la communauté internationale, ne baillent pas pour piller le cannabis. C'est ça la vérité, la réalité. Moi, je parle des choses qui sont vraies parce que je suis dans le niveau de la front. Maman Nomi. C'est cette armée-là qui est montée en puissance là qui fait que Rwanda a atteindre l'objectif jour pour jour. Mais Natango na bango, na 2013, marche de santé de Rwanda, Bakangi Goma, ba signé ba accord au tilt, au détriment de ce pays, au détriment de ses fils de ce pays, ba sali ba accord na bango, ba pe ba Rwanda, ba Bozu, bani bani, les lobes dans la collège à côté de Mokoloba, pendant que l'UDP est en train de contenir cette position pour que la paix règne, et la paix doit régner, monsieur, je te l'ai dit. Vous comprenez ce que de paix ça fait? Donc, si je me mets à faire notre bilan, ah ouais, maman Nomi, il s'engage à une émission élaborée,
ngai mokoti et puis congolais na confirmer que ce que je dis c'est la vérité. J'en viens sur les problèmes de la constitution. Au moment qui est opposé ba mituna prenez à jour pour défendre en tout cas je dis ça et ça le col moi je forme au baba ça là. Pour pas faire gober ma congolais et les lots et les alliés qu'on rattrape bango. Oh maman, attendez, exactement. Nangai, je sais pourquoi je le dis et je donne mes explications. Ok, n'est-ce que Sengeli Ayeba qui des présidents de ce monde a continué à pouvoir les lots à l'ongoli constitution ou en apprêté serment qui azate. C'est-à-dire que quand un président vient, il trouve une disposition qui est encore en place, il est dans l'obligation d'obtempérer cette disposition-là. Je regrette Ndekoye Moko Atangi Kombo ya professeur Jean-Louis Essambo. Mais le même professeur rédacteur Yachelo Koyo, Ali Kolobete Torejijan Gonab étranger. Maintenant, pourquoi vous voulez imputer le président? C'est que le rédacteur lui-même confirme qu'ils en ont rédigé avec les étrangers. Rédigé avec les étrangers. Les étrangers, effectivement, Jean-Louis Essambo. Il en a parlé, il est vivant, je crois que vous l'avez suivi. Oui, j'ai suivi. Mais les étrangers, locaux, la bateau, il y a beaucoup de bateaux. Non, maman. Chez Loko, il y a Basali Angon à Belgique. Chez Loko. Chez Loko, il y a Basali Angon à Belgique et puis en France. C'est pas Kisangani. Chez Loko, il y a. Maman. Kisangani, c'était une poudre aux yeux, tout simplement. Chez Loko, il y a Salami, Naba Belgérant. Bakor ya lemera ezaliawa ba avantage ba pesa ba étranger France na Belgique nde ba basali chez lokoyo. Mais nous en tant que élu de paix, première force politique de ce pays. Na 2005 tango bazolinga batinda forcément notre peuple na kata référendum, nous avons dit niet et nous avons averti notre peuple. Et vous avez vu le fonctionnement de cette république de Kabila qui était une république ou un état bananière où tout Ezala qui coffrait n'a pas avantage, n'a pas bango, c'était un état jungle. Aucune loi qui pouvait astreindre Moutoye Baketouza quand même dans un état. Et l'effet patriarche, fait ce que doit Moulumba, Dérèse Mémoire, notre mentor, il nous a légué un testament disant il dépêche au pouvoir, nous devons balayer cette histoire à revers des mains, tout une gangou na poubelle de l'histoire. Parce que même notre héros national, Fait Patrice Emery Lumumba, il nous avait dit, nous avait légué son testament disant, l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes et au Congo. Pas en Belgique, pas en France. Changer la constitution sur quelle base? Pour la carte de la constitution, effectivement. Prévu révision. Exactement, bien, maman, j'en viens au PSA qui est parole à l'unité. J'en viens. D'abord, il faut d'abord que sa peuple en abisse, ok. Si aujourd'hui, l'UDOPES, parti présidentiel, a s'élevé pour être tout changé, nous, à l'UDOPES, nous disons de chambouler, changer chez Lokoyo, parce qu'il n'y a pas de loi propre à nous et sur à nos réalités. J'en ai. Propre fameuse et locoyo et prévoir les mécanismes de sa propre révision. Ouais, l'initiative, il y a révision constitutionnelle, et ça dit conquérant par le président de la République, par les gouvernements délibérants conseil des ministres, par une de ces chambres, ou bien 100 000 signatures à Bakongolais pétitionnaires. Voilà, ça sort. 600 000. Effectivement. Mais maintenant, quand vous trouvez ici, là, il y a plus de 38 articles à réviser, ça veut dire qu'il faut changer totalement. Non, disposition ni n'est-ce. Et alors, j'en viens. Non, non, vous j'en viens, vous madame. Pas ma disposition, il y a qu'on change, il y a 220. L'article 220. Stipule. La forme républicaine, la durée et le mandat du président de la République ne peut faire l'objet d'aucune révision. Ok? Mais la mémoire collective congolaise savent mieux que Kabila a fait 7 ans au pouvoir. Kabila a fait 7 ans au pouvoir, Madame Naomi.
La constitution n'est pas rédigée sur base juridique, monsieur Kazamba, mon co-débatteur. Ça, c'est la base politique qui rédige la constitution. Ce n'est pas des juristes ici-là. Article 220, vous, article 220. Vous parlez des forme, institutions oui. politiques et provinciales. Il est institué une conférence. Non, Bandela n'est Bandeli. Article 1, maman Nomi. La forme républicaine. Allez-y, commence par là. 220. Ok, ici c'est 200. Voilà, 220. La forme républicaine. La durée et le mandat du président de la République. La révision constitutionnelle, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel. La forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ok. Les élections proprement dites devront être organisées en 2016. Les élections ont été organisées en 2018. C'est-à-dire que M. Kabila a fait 7 ans au pouvoir jour pour jour. Ce n'est pas un accord politique. Madame Naomi, on parle que la forme républicaine et le mandat, et que ça, la révision est à mon côté. Alors, dès lors que l'article 70 est allé stipuler clairement, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ok? Pour un mandat de 5 ans. Les élections qui pouvaient être organisées en 2016 et postposer pour être organisé en 2018. Ce n'est pas la base d'un accord de cité de l'OIA qui devra faire obstruction à la forme républicaine dans ces dispositions intangibles, madame. Il n'y en a pas. Voyez-vous, il n'y en a pas d'étrangers. Parce que et le coup, il y a qu'on régule le mandat, c'est la France. Vous n'avez pas compris. Non, mais j'ai répondu à votre question. Je parle ici de la violation. Il y a article 220, c'est ça votre préoccupation. Est-ce que vraiment, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne comprends rien. Mon frère, quand vous avez parlé. Non, mais je vous regarde. Je réponds aux questions des journalistes. Allez-y, si c'est vous n'avez pas compris. Ouais. Allez-y, madame. La question est de savoir. L'UDPS a lobby à l'ingi qu'on change constitution. Ah. Sur base, il y a nini disposition nini à constitution. Possible on l'ingi ça, bobongo la constitution. C'était ça la question. Mais. Question à mi balèze à la qui. Les cambétali ba réalité. Ba réalité nini à Congo, ils ont trouvé ba réponse na yango te na kata constitution. Oyo, o esengeli nécessairement to bongo la pour que. Mais ma bisou la défense. Mais madame Naomi, madame Naomi. Vous posez la question à un intellectuel, un politicien vrai, un tshisekédiste fasciste devant toi. Toutes les questions que vous me posez rencontrent ces réponses. Vous venez de parler des articles. J'ai commencé avec voir l'article 220, n'est-ce pas? L'article 220 ne dit pas qu'il faut changer la constitution. Non, là. Mais moi, je vous dis que l'article 220, j'ai pris d'abord cet article-là pour vous. C'est la nanne, maman. Maman, au moins, il débat. Il débat de fond. Oh, le peuple n'a pas besoin de la base à l'actualiser. Si l'IDPS, tout le monde est changé. Na bandi na on a disposition et article 220 ezala qui déjà violé violenté et eza yako en tout cas yako bwaka na poubelle. Je venais na uta ko la kisayo. J'ai donné les articles. Oui, ezali ko donner les sous-basma de ce que nous voulons changer de disposition pour vous dire que ce qui est régime précédent Balinga qui va respecter la constitution. Article 70 hein, n'a pas prévu le mécanisme de la jurisprudence à la base d'un accord politique. Hein. Madame Naomi, je parle en lingala en français, peuple balandabiso. C'est-à-dire que l'article 70, hein, et puis si le président nous soit celui qui dirige à ça la 5 ans. N'est-ce pas? Et c'est cet article-là, où il y a eu la 220. Pour la Koloba, cette disposition est inchangeable et s'oppose à tous. Maintenant, dans les pratico-pratiques,
Les élections devront être organisées dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire décembre 2016. Les élections et salamitaines à décembre 2016. Est-ce que l'article 220 et qu'il faut prévoir une jurisprudence et qu'un accord de copains Kabila deux ans il y a un mandat supplétif et Kabila fait 7 ans. C'est une vérité, il sait ce qu'il dit. Moi, je suis congolais. De deux, yo ozo le ba disposition, je relève le problème de la disposition article 67. Article 67 est le biboy. Le premier ministre est issu de la majorité parlementaire, c'est-à-dire que le parti qui arrive au pouvoir, qui n'a pas la majorité parlementaire de députés en soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et que pendant que le premier ministre chef du gouvernement, pointe le gouvernement est en Moussama. Pourquoi? Parce que l'article 91 et lobby était le premier ministre définit la politique de la nation en concertation avec le président de la République et en assume la responsabilité. Et le premier ministre doit être ici d'une majorité parlementaire et non une majorité présidentielle. Alors, dès qu'il y a cette crise de la majorité au sein des forces politiques représentées dans les institutions parlementaires, il fallait que le président de la République confie un mandat à un informateur. Oui, Azalina dirait il y a 30 jours renouvelable une fois pour identifier la majorité par laquelle le premier ministre doit être nommé. On est justifié, démarche amenée à changement. Maman, je parle des articles. Je ne dis pas justifié, je parle des articles. Mais c'est écrit oui ou non? C'est écrit oui ou non? C'est écrit, c'est ça cette disposition. Et maintenant, dès que l'informateur finit son travail, il doit rendre le rapport au président de la République. Après avoir identifié la majorité parlementaire, ainsi alors le président de la République doit nommer le premier ministre ou la première ministre. Mais c'est contrairement, parce que cette léthargie-là, cette cacophonie ici, ne donne pas les moyens pour que nous mettions sur pied le développement de notre pays pour qu'il soit avancé. Alors que dans le passé, le président Kabila na régime na sous son règne, après ça qui nomma comme premier ministre après quelques jours. Non, toujours la même formule. Oh madame. Quelques mois. À qui était Mwando Simba Salani. Donc c'est-à-dire que mais la réalité est connue de tous. Mwando Simba a été nommé par Kabila en tant qu'informateur à Yebi. Donc, et le régime sortant, le ministre Bazoti Kalouane na gouvernement, ce sont les ministres démissionnaires parce qu'il n'y a pas un gouvernement ici des élections nommées par le président de la République. Ils sont en train d'expédier les affaires courantes. Ils n'ont pas droit d'engager la République pendant cette période-là. Et cette période-là, on appelle, c'est une période de mesures conservatoires. Pour ça, il faut changer la Constitution. La Constitution doit être changée de fond en comble, de bout en bout. Merci. Parce que tous les articles résumant cette fameuse Constitution est à la faveur des étrangers. Il a parlé les problèmes de l'article 205. Mais il oublie qu'il confond la souveraineté et une partie des territoires. Je n'ai pas dû comprendre. La souveraineté, c'est le droit absolu concédé à un peuple, monsieur. C'est-à-dire, quand vous hypothéquez votre souveraineté, vous avez balkanisé le pays. Et Afdel et Kabila Dertis, mémoire, ont balkanisé le pays. Les difficultés que nous sommes en train de vivre, c'est Kabila à la tête de ce pays avec Badekonanga Kazembe. Nous allons changer cette histoire. C'est la fin de l'émission d'Eco. Jean-Paul Kazamba, votre mot de la fin. Déjà, y a-t-il de faiblesses dans notre constitution au Ezo Sengaki? Même aujourd'hui, même dans l'avenir, il faut toucher pour que Mboke Kindeli Boso. Si oui, et votre mot, quel est le message que vous lancez à la population? Non, le problème, c'est que ma question est posée en tant que journaliste. Il y a un grand politique, mais il y a un grand politique. Il y a un article qui a changé la constitution.
tu as changé de condition parce que Kabila avait la condition en 2016. Vous l'avez organisé en 2016, mais à 57 ans, mandat. Pour nous, le coup, la Kabila a violé, a débordé, nous avons changé de condition pour la banque. La raison, c'est que ça, il y a un peu de temps. Le coup, la Kabila a 57 ans, nous avons changé de condition pour Kabila a 57 ans. Tu as la raison, mais tu as la banque. Quand madame, il y a un peu de avec Gizenga, il y a 10 semaines pour le gouvernement, avec ma tata, il y a 16 jours. Même en France, le premier a été dans la partie majoritaire, il y a parlement. Et ça rendait que voilà. Ceux qui majorité dans le parlement, ceux qui majorité dans le parlementaire, ils ont un gamme, il y a président de la République, ils ont un gouvernement en collaboration. Ceux qui majorité est dans l'opposition, il y a un gouvernement de cohabitation. Il y a un Jospin, il y a un Chirac. Ça, c'est même en France, c'est comme ça. Ça n'a jamais empêché dans Macron, à ça, Moussa, ton président français, à ça, la Moussa. Mais pour moi, tout ça, en face, n'est pas incompétent. Au moins, dans 5 ans, tout ça, il y a un pouvoir, et il y a un cause. Et ça, il y a une question, il y a un Moussa, et ça, pour Kabila, il y a un bacal. Et ça, il y a un FCC. Bah, ça, il y a 5 ans, pouvoir. Ces gens, ils n'ont jamais parlé de conscience. Ils ont dit, ça, il y a un Moussa, et ça, FCC, il y a un bâton d'aller. Ceux qui disent, c'est un big rouge, il y a un Moussa. Pendant les 5 ans, il y a un distribution bon. FCC est long, ouais. Deuxième mandat de comité, ça va nous traverser des ans de conscience. C'est-à-dire que nous sommes en face des incompétents. Nous allons éviter de passer à la Nini. Ils ne font rien. C'est ça le langage. Ma casse arme est incompétente. Au moment où nous avons dit, l'article 2, ça fait pas de ce qu'on appelle les articles verrouillés de la Constitution. Mais par un référendum. Et ça, les Camoutés, que pour réviser l'article, et ça, pour Kabila, ça a violé, qu'il n'y a pas violé. C'est révisable, mais ma paix, si ma condition, il y a révisabilité, donc par les référendums. La condition que nous avons ici, attends, ils ont rédigé des besoins étrangers, mais c'est une condition qui a été respectée et qui a été adoptée par notre peuple, dans 85%. Et ça, ma Camoutés, il dépeste. Que Bino, il dépeste. Et ça, le projet de société, dans Bino, quoi pour réviser la condition. Ce peuple n'est pas une IDPS. L'IDPS. Le peuple dans sa majorité, les 80, c'est-à-dire que le Wolingo, ça, c'est un coup d'État qu'on se passe au Bengango. Wolingo soit pouvoir dans ma casse, au détriment du peuple congolais. Or, ces articles sont des articles verrouillés. Pour les déverrouiller, il faut un référendum. Ça, c'est ça que la Constitution dit. Mais il n'y a pas que la violence, il n'y a pas de violence. Le pays ne marche pas comme ça, messieurs. Les Kamouya, aux informateurs. Même en France, lorsqu'il n'y a pas majorité, il n'y a pas informateurs. La nomination d'un formateur lingue, le bâtir, il faut ça 3 mois, 4 mois, par votre incompétence. Quand je pense que c'est un mois, une fois renouvelable, c'est-à-dire que vous avez besoin de combattre 2 mois, mais vous avez dépassé largement des mois par rapport à votre incompétence. Et ça, c'est comme ça, la conscience de Gonangaï. Ce n'est pas la conscience d'incompétence d'Abino. Pendant les 5 ans que vous avez fait au pouvoir, vous n'avez jamais évoqué pour ma constitution. Vous avez dit que ce que vous avez dit, c'est que Kabila a un bâton d'aller où, et ça pour n'aboyer, et ça pour n'aboyer. Kabila, longue FCC, longue article, vous avez une assemblée nationale, vous avez un Sénat, vous avez le gouvernement. Et puis, vous avez tout ça, et puis, vous avez fini après. Donc, Batouana, Bazana, Est, et Bazana, village, ils ne sont pas décorés, Bazana, droit et sécurité. Le col, c'est Bazana, c'est ma village, et ça, c'est Pamba. Et vous avez bien sûr ma ville. Pourquoi ma village, voilà. Ces gens n'ont pas droit au chapitre pour faire dans ma village. Pour Nayo Bounaga, c'est un village. Roubavou, c'est un village. Pinga, c'est un aéroport, c'est un village. Même si c'était des villages. Est-ce que ça. Au moins, il y a des dirigeants qui sont là. Donc, pour Nabango, ce que vous avez dans 4 villages, tu n'es pas content, tu n'as pas droit à la sécurité. Pour Nabino, armée en puissance. Pour ma suite dans ma grande ville, le corps de village, ce ne sont pas des Congolais, ça congote, vous en avez dit. Nous sommes des bicycles à Bazo Joana. Parce que Bino Bosa va jouisser, vous êtes venus pour piller, voler, et vous ne connaissez rien de ces pays, de l'histoire de ces pays. Bicycles au Bengal, vous n'avez pas quitté les fans de Bondeko. Vous quittez les fans de Gishiché, les fans de Goubav, les fans de Gomate, 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 les fans de Merci. Ville administrative. Mais qui te fait un très bien. Même si qui te fait un Yukunate, ce ne sont pas des Congolais, le corps, je suis un bon corps. Nous sommes une armée en puissance. Une armée en puissance, je suis dans la localité, sinon, je suis un repli, si il reste prêt. Très bien. Mathieu Domingue de Coédouard, votre mot de la fin en 30 secondes, rapidement. Tout merci, Maman Naomi. Je suis un peu plus de Congolais pour soutenir la démarche de mon conseil. Et puis, il dépasse. Pourquoi? Parce que bah, changer la constitution est en vertu des ambitions personnelles. Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas éternel au pouvoir. Et il y aura le président Moussoussou, tout comme Akutakape Baba devant Sakiye. Mais ce que nous nous sommes contre, c'est ce que certains hommes politiques, le Kola Bandegonanga Kazamba, Bazolinga, vont entretenir confusion dans Mitou Yaba Kongomani, comme si c'est une première pour que la constitution ait changé. Nali Kwebisa Bangwete, Tango Kasavu Boye, Basa la constitution Yalo Labour. Tango Mobutu a eu pouvoir par coup d'État, a révisé la constitution il y a 1967 Wana, a révisé en plus de 13 fois, plus de 16 fois d'ailleurs. Laurent Désiré Kabila Tango a commis par bas décret loi successive, Oyakendaki Kozoa, a révisé 3 fois. Et Kabila, le sortant de triste mémoire, a révisé cette constitution une fois pour n'a qu'au changer mode à scrutin, à confondre scrutin, na suffrage, etc. dans les premiers tours à Kekocha et à l'ongol des tours à ce premier tour. Et aujourd'hui, nous avons constaté que la machine a grimpé. Il y a trop de léthargie pour le fonctionnement des institutions de notre pays. Alors nous voulons tout que Kekocha ba institution républicaine et yambo kanabiso. Le testament que l'île de Pesse a zolingati que la ban en Congo, bas en des institutions fortes que des hommes forts. Très bien. C'est-à-dire que tout changer et le koyo, et ça pour na bonheur nabiso. Pour la sécurité, tous en a une loi fondamentale propre à nous et non pas propre aux étrangers parce que c'est la réalité. Il y a un gros en tout cas, d'ailleurs, nous avons félicité déjà Bango parce que la majorité, il y a un peuple congolais, en tout cas, ils sont pour le changement. Merci, monsieur Kabayi, merci beaucoup, monsieur Kazamba, merci Nabil Blondi, bisous à travers le monde. Intéressant. Na kati ya ko benana ka na ba idende lumière et bimara pe de Jean-Paul. Donc c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul.